Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du jeu de My Hero Academia The Strongest Hero, plus précisément de l'annonce qu'on a eue dans la nuit dernière. À l'heure actuelle, il est 7h05 du matin, samedi, et on a une très belle annonce. Semaine prochaine, on va avoir une nouvelle mise à jour. Tout d'abord, je vais vous traduire ce petit message. Petit tweet. Merci pour votre soutien à MHA, My Hero Academia The Strongest Hero, pendant notre mois de lancement. Nous apprécions vraiment vos commentaires au cours des dernières semaines et voici quelques changements de réglages à venir la semaine prochaine. De plus, en guise de remerciement pour notre énorme lancement, des cadeaux spéciaux arriveront avec la mise à jour de notre serveur. Du coup, qu'est-ce qu'on aura pour la mise à jour de la semaine prochaine? Amélioration du gain de la stamina depuis le jeu, depuis le système du jeu, et l'amélioration du gain des Zero Coins depuis les quêtes et les missions quotidiennes, j'espère également hebdomadaires. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'ils règlent le problème de connexion et qu'ils ajustent un peu l'appétit concernant les portails. Je ne parle pas du taux de drop, au moins qu'ils baissent. Pour que ça soit égal, qui baisse à 1, enfin 1% de taux drop pour 70 ou 80 sur l'appétit, ça serait plus correct et plus cool. Ça soit abordable pour les free-to-play et pour les pay-to-win, qui réajustent également les packs qui sont ultra chers, comme je vous avais dit sur la vidéo d'hier et la vidéo d'il y a 4 jours, 3-4 jours. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fera énormément plaisir. Merci encore pour ceux qui ont partagé tous nos tweets où on visait la page euro et la page globale où on disait qu'on avait besoin de plus de stamina, qu'on avait besoin de plus d'hero coins ou sinon le jeu pour aller crever, qu'elle allait être plus axée pay to win. Et d'ailleurs, j'ai vu énormément de, on va pas dire beaucoup d'abonnés, mais énormément de gens de ma communauté qui ont fait énormément de commentaires sur le Play Store et l'App Store. Et c'est vraiment très très cool de votre part. Concernant l'appétit, concernant le gameplay. C'est vrai qu'ils ont un gameplay incroyable. Mais le fait que la stamina soit aussi galère, qu'on soit limité entre 7 à 10 utilisations sur le mode solo. Pour cette stamina qui revient à 25 points par action ou autre, et que vous ayez répété tous ce commentaire-là, c'était super bien et super cool de votre part. Merci encore d'avoir partagé et liké les tweets qu'on a fait sur cette page-là, les tweets, les RT, les commentaires. Il y a même certains commentaires où ils se sont pris des ratios. Ça fait grave, mais vraiment grave, grave, grave plaisir. On va continuer à parler un peu de tout ça. Je vais également continuer à critiquer le jeu pour qu'il soit amélioré. Le fait que ici, ce commentaire-là, que le fait que le youtubeur espagnol a fait un tweet avec plus de 1600 favoris, enfin likes. Le fait qu'on leur ait mis un ratio et que Stitchin en ait fait une vidéo avec Volkin, etc. Ça a permis aux joueurs d'être écoutés, aux clients et aux joueurs d'être écoutés. Du coup, voilà. N'oubliez pas que la page et le Discord seront disponibles dans la barre de description. Dans la barre de description, j'ai bégayé. Voilà, c'est ce fameux tweet où ils se sont pris un ratio. Vous imaginez une page fan non officielle qui met un ratio à la page officielle. Ça a permis vraiment au jeu, enfin aux fans d'être écoutés. Merci encore, les amis. Du coup, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de venir nous soutenir sur Twitter, de venir nous rejoindre sur Discord pour ceux qui ont besoin d'être aidés. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.